Bonjour tout le monde, bienvenue à vous. Vous êtes là parce que vous voulez voir des Magical Girls, mais oui, et c'est normal parce que c'est génial. Et ce jeu est génial. Je suis en train de le défoncer, faut dire ce qu'il y a. Je ne fais que ça, je ne joue qu'à ça, j'ai envie de jouer qu'à ça en ce moment. C'est dingue qu'un jeu de SNES peut faire cette sensation encore aujourd'hui. De t'obnubiler toute ta journée, tu pars le matin au travail, tu penses au jeu, tu rentres, tu veux jouer au jeu. Et ça, c'est génial. Donc là, je suis en train de le défoncer le jeu. J'adore ça. Donc, installez-vous, mettez-vous confortable, prenez une petite boisson, parce que les aventures, c'est maintenant. Alors, où est-on ? On était parti dans les airs. Oh, regardez, ça, regardez cet effet. Oh, je sens, ça sent les téléportations. Ça sent que ça va être la misère. Normalement, mes personnages sont assez puissants. Vraiment, je vais me retaper les livres parce que j'ai vraiment envie de me remettre dedans et pas vous dire des conneries. Mais je me souviens pas du tout de tous ces monstres. Donc c'est que soit ils étaient pas là, soit j'ai une mauvaise mémoire. Après c'était en 5ème et je vous rappelle que ça fait bientôt 20 ans, plus que 20 ans, donc peut-être 22 ans. Donc ça, laissez-moi le temps quand même de m'y remettre. Météore de Pégase. Bria. Ça meurt. Ça meurt. 1800 d'XP. Oh bah bien sûr, j'espère. Vu ce que ça me rapporte. Ça me paraît vraiment bizarre le fait par contre qu'on puisse pas avancer en diagonale. Mais bon. J'ai essayé toutes les méthodes que je pouvais, j'ai pas réussi. Magique. Si j'ai un point de restitution de vie, je pense que je mettrai un petit coup de farm parce que ça rapporte énormément ici, c'est bon ça. Et comme je vous dis, le farm c'est pas parce que j'ai envie de tuer le jeu rapide, enfin. C'est juste que je trouve, ça vous évite d'avoir à vous taper 100 heures de combat non-stop. C'est surtout pour ça que je farm. C'est pas, le but n'est pas de rouler sur le jeu, mais un peu quand même. Si je peux éviter de vous taper des heures et des heures de combat. Parce que c'est le problème des RPG, c'est que en let's play, bah, c'est un peu emmerdant pour vous. Vous faites que voir ça, finalement. Par contre, si on continue comme ça, je vais plus avoir de magie et assez rapidement. J'adore ces petits sons de voix qui font très rétro. Alors qu'est-ce que c'est? Ça sent les téléportations. Oh là là là. Alors là, ça va être un labyrinthe. Ça, c'est vraiment le truc de l'époque. Ça sent le labyrinthe à plein nez. Ça va être compliqué. Je vais essayer de taper des attaques. Pas avec lui parce qu'il sert un petit peu à rien par rapport à ça. Le problème, c'est que la seule attaque qui est intéressante avec lui, c'est celle-ci. Il y a 15 MP à chaque fois. C'est énorme. Après, c'est un magicien. Il est là pour ça, mais... chic. Ok, si tu pouvais tuer en un coup, ça m'arrangerait. Ah, tu pas. Bon, moi il reste plus qu'un. Même si elle ne tue pas, c'est pas grave. Mais au moins, elle fait le ménage. Oh bah c'est bon, on va tout péter. Allez, 1200 et hop, on monte. Attends, j'adore, mais laissez-moi regarder mes armes. Je suis à combien? Niveau 7, niveau 6, niveau 1. Bon, voilà. Niveau 5, oh t'es à la ramasse toi, ma cocotte, hein. Mais par contre, ça fait une attaque de combien? 180, 160 et 140. Défense. Ouais, en fait, en tout, elle est moins bonne, en fait. Désolé pour elle, mais... Je vais voir stamina, agilité... Où est-ce qu'on peut voir? Il y a les MP, ouais, mais... Ouais, c'est une magicienne, quoi. Mais elle est... C'est un peu le boulet du groupe, quoi. Après, c'est une healer, donc on a besoin d'elle. Hein. Sans elle, on n'a plus de vie. Oh, un nouveau. On va apprendre à se connaître. Oh, ça, il a quand même de quoi faire. Mais 15 par 15, ça part tellement vite. Après, je pourrais aussi ne pas attaquer avec lui et attaquer avec les autres. Est-ce qu'il est si fort que ça? Non. Allez, hop, ça monte. Question, par où? J'ai vu qu'il y avait un truc par là, on va y aller tout de suite. Sachant que je vais me perdre, je vais mettre un temps fou y arriver.
Bon, il est temps de combattre un petit peu parce que à ce rythme-là, j'aurai plus de magie avant la fin, moi. C'est pour ça que c'est les combats, j'essaie de les vous les passer parce que... Bon, une fois que vous en avez vu un, vous les avez tous vus. Ah, là, tu dégages. Merci d'être venu. Oh, il y a tellement d'ennemis. Je le dis à tous les épisodes, il y a tellement d'ennemis. Oh, des nouveaux. Défends-toi. Plus nouveau, ce petit centaure. Non, c'est un satyre en plus. Je dis n'importe quoi, un centaure, c'est un satyre. Rien à voir. Quoi qu'un satyre, il a pas de cornes. Ah, quoi que si, il a deux petites cornes normalement de chaque côté. Alors que lui, il est en mode licorne. Ouh, 61 quand même, ça se défend, ça se défend. C'est bon. Yumi. Ah, ça y est, ça monte de niveau. C'est bien, parce que Asuko, on est en train d'en faire un truc pas trop mal. Hein. Il est niveau combien, ce petit bonhomme? Niveau 24. Bon, on est 34. Mais ça monte, il va être de plus en plus utile. Je ne sais pas où je vais. Oh, ça y est. J'ai trouvé directement le chemin, mais attends, j'ai raté tous les coffres. Ok. Mokona, qu'est-ce que tu as à me dire? Et je crois qu'on a trouvé le chemin, les filles. C'est le temple? C'est le temple du ciel. Il y a un machin. Oh oui, donc ça va être à tout parce que le ciel le vend, donc ça doit être à fou d'y aller. Voilà, elle s'est sentie happée. Donc, ce qui veut dire qu'on va devoir affronter un nouveau boss. Elle agit bizarrement, comme toi la dernière fois. Donc on va garder le feu pour la fin. Je vais rester là, ça vous dérange pas. S'il te plaît, retourne à la maison. Nous débrouillerons toutes seules. Merci, soyez prudente. Alors c'est parti. Me faire attendre, quelle méchante fille. Ah, te voilà. Kaldina. Tellement classe elle aussi. Qu'est-ce que c'est cet accent? Non mais quel est cet accent? Comment connais-tu notre nom? Rien à voir, aucun lien. Ave César, oui. Alors les filles, que pouvez-vous faire face à ma toute puissance? Je suis tellement plus jolie que vous. Je confirme, madame a du potentiel. Hormis sa posture qui est dégueulasse. Alors voyons voir juste ce que vaut nos attaques contre elle. Ce que valent, excusez-moi, parlons français. 1064, on tape assez fort. Et elle tape nul. Je crois qu'on va juste pouvoir la frapper comme ça éternellement et elle va juste mourir. Ah mais 36 ma cocotte, ton pied, tu peux te le garder. Quel dommage qu'elle ait pas de visage. Deux petits sprites, deux yeux, ça aurait pu être cool. Ouh. Distraction. Oh non, pas contre elle. Là, elle attaque automatiquement, donc elle va faire des gros dégâts à n'importe qui. Non, c'est bon. Je vais perdre en chance. Miss. Non, c'est bon, ça tape quand même. Et ben voilà. Aucune chance contre nous. Nouvelle arme. Enfin, amélioration des armes et de l'armure. Quelle mauvaise perdante. Fou, tu es là? Je ne peux même pas l'écouter, ça se trouve il y a des coffres à récupérer. La voilà. Magic Knight. Ouf, cette mèche. On m'appelle Wendarm, le légendaire Machine. Un oiseau à 4 ailes, c'est pour voler toujours plus vite. Fou! Mon corps! Galo, oui! Attends, fou, ne va pas! Ah, attention, ça sent qu'on va devoir affronter seul à seul l'autre, comme on avait pu faire avec Oumi. Oh non! Je les fracasse. D'un côté, elle m'a perturbé tout à l'heure, donc ça pourrait peut-être se jouer. Ouf.
On a vu des marionnettes. C'est ça, c'est bien ça tout à l'heure quand j'ai perdu le contrôle. Je travaille pour lui, pour Zaga. Contre de l'argent. Tu n'as donc pas d'honneur. Donc il va falloir que je fracasse mes propres potes. Sachant que je les ai fait monter. J'espère qu'elles sont pas à leur niveau actuel parce que sinon je suis mort. Est-ce que je peux... Tiens, un vent paralysant. C'est peut-être une grosse connerie de ma part, mais... Grosse connerie de ma part. Je vais tenter des choses. Alors je peux pas. Donc je suis obligé de les défoncer, rien à faire. Et ben, on va faire comme ça, tant pis, hein. Je vais me protéger comme je peux. Oh, ça marche bien le bouclier. Ça marche très très bien le bouclier. Bon bah désolé mes cocottes, mais... Normalement je connais leur vie, ça aurait dit limite les one-shot. Hein. Je fais ça comme ça. Et le bouclier, mais c'est la folie ce truc. Oh là. Hop, même pas tu touches. 1. Non mais mettez des boucliers partout, c'est trop bien. Allez, prends-toi ça encore. Les pauvres, elles peuvent pas bouger avec mon bouclier. Elles m'enlèvent que 1 de vie, c'est que dalle. Et hop, ça dégage. Oh, c'est bon, hein. Je veux dire, ça fait pas un game over quand même. Oula, 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 qu'est-ce qui s'est passé là? Alors attendez, je vais essayer de vous écrire ça. Chance of bien Windem 7. C'est une autre langue, c'est une langue étrangère. Repartons gagner. J'ai pas sauvegardé. J'ai pas sauvegardé, faut que je retape tout. Mais comment je suis censé faire? Bon bah allez, on se retrouve au boss. Ok, on est reparti et ce coup-ci, donc il faut pas que je les défonce. Pour quelle magie je peux utiliser pour sauver mes amis? Et confiance des amis. Donc la paralysie ne fonctionne pas. Comment je peux faire pour ramener mes amis à la vie? Je teste des nouvelles attaques. Hein. Restaure tes alliés normal. Move, défense, run, item. Est-ce que je dois rester protégé le temps qu'elle m'attaque? Le temps 2? Je sais pas, on va essayer. Est-ce qu'au bout d'un moment, en fait, elles vont lâcher l'affaire et se dire qu'elles sont en train de m'attaquer? Je vais jamais utiliser un petit bouclier parce que c'est quand même très pratique. Comme ça, au moins, je suis couvert. Mais il va falloir que je trouve une solution. Je vais tester des magies, je vais tester des trucs. Magie. Est-ce que ça me fait un truc supplémentaire? Pas du tout pour l'instant. Au moins je suis bien protégé, mais il va falloir que je trouve quand même une solution parce que je vais pas pouvoir continuer comme ça. Magie. Je vois pas si ça débloque chaque fois ça. Je réfléchis, hein. Franchement, là, je cherche à comprendre comment je peux faire. J'ai rien là-dessus. Sachant que j'allais faire tous les petits coffres qu'il y avait autour. Oh, je peux appeler Ferio à l'aide, c'est trop bien. Ouais, du vent, ça, c'est que des magies comme ça. Comment je vois pas? Je ne sais pas du tout. Je vais essayer de me défendre, voir si au bout d'un moment eh ben, elles vont lâcher l'affaire. Et il faut juste leur laisser le temps qu'elles comprennent et qu'elles reprennent leurs esprits. Bon, un petit coup ça va pas leur faire de mal. Sachant que je peux pas balancer de magie vers elles hormis des attaques. Enfin, je peux pas les aider ou quoi que ce soit. Au pire j'aurais dit restaure les alliés à la normale, mais ça ne marche pas.
Je vais les frapper jusqu'à ce qu'elles comprennent. Hein. Je vais leur apprendre le respect. Est-ce qu'il faut que j'arrive à descendre un certain niveau de vie finalement? C'est peut-être juste ça. Je dois me laisser mourir face à mes amis. Et confiance en tes amis, Woogie, je sais pas. Je vais tenter. Je vais me laisser éclater la gueule jusqu'à ce qu'elles comprennent. Je suis quasiment morte. Je suis morte. Je me suis laissé tuer. Il fallait juste que je me laisse tuer. C'est tout? Ou pas, je sais pas. La force de mon cœur. Je dois sauver mes amis. Et je réserve, en fait, elle refuse le combat contre ses amis et donc elle se laisse fracasser la gueule. Oh, c'est ce que je voulais faire tout à l'heure. Elle danse? Qu'est-ce que... Mon corps bouge tout seul. C'est ça, elle danse. Brim! Et tiens, ça dégage. Elle est très forte, Kaldina. Jade girl! Vas-y. Elle s'est fracassée toute seule. Pas mal! Elle s'est rendue compte que se mettre un coup sur la tête, ça marchait mieux. C'est comme quand tu veux réparer ton PC. Un bon petit coup sur le côté. Ok, c'est bon, maintenant ce coup-ci, c'est la bonne. Mais tout à l'heure, il fallait savoir quand même. Si tu connais pas le manga, t'es un peu perdu de savoir ce qu'il fallait faire. Bon, maintenant, j'ai récupéré tous mes pouvoirs. Ma cocotte, qu'est-ce que je peux te foutre dans la gueule? Ça, c'est pour paralyser les ennemis. Putain, je vais me faire un petit mur d'air, on sait jamais, hein, parce que... On sait jamais. Fossile. Ah mince. Ça va être problématique si j'ai personne pour m'enlever le côté fossile. Parce que là, ça va, j'ai mon mur, mais... Ah, ça y est. Ça dure que 3 tours, le fossile. Eh bah, tu veux te la jouer comme ça? On va se la jouer comme ça. 1372, et j'aimerais bien faire l'attaque juste en dessous. Magie. Celle-ci, restaure les derniers. Donc, toutes ces attaques sont des attaques multiples. Donc, autant faire la plus puissante. Tu ne peux tenir contre moi. Allez, t'as combien de vie là? Voilà, t'avais pas tant que ça. 4000 d'XP. Alors là, augmentation de l'armure. Mais comment? C'est la force de l'amitié. C'est bien quand le jeu m'enlève des phrases que j'ai pas le temps de lire. C'est pour ça que tu attaques? Oui, maintenant je me suis laissé faire. Maintenant je me bats contre ceux qui osent s'en prendre à mes amis. J'aime ton style, gamine. Hein? Contrairement à... J'ai pas la suite de la phrase. Mince, que ça s'appelle le... Bon, le méchant de l'histoire. Qui n'a pas de but. Vous êtes bien mieux. Le but de Zaga, merci. Zaga n'est pas de... Pourquoi prendre Sephiroth, la princesse émeraude? Il tombera en ruine. Désolé, c'est un peu compliqué des fois de le lire parce que bah, j'ai pas tous les mots. Quelque chose de plus important que Sephiroth. Moi, je sais. Vous avez prouvé votre force, votre volonté pour vos amis. Tu as le droit d'utiliser mon pouvoir, mais tu n'en es pas encore digne. Appelle-moi quand tu auras plus de power. Votre volonté est trop faible pour me porter. En attendant, ce jour, j'attendrai en vous. Le jour venu, je me montrerai et vous donnerai la totalité de vos pouvoirs. Mon amour a encore changé. Mais on voit pas encore ce que c'est leurs armures, même dans les cinématiques c'est con parce que quand elles parlent on voit pas le changement. Alors que dans moi il y a vraiment un gros changement. Quel dommage. Mais ça avance bien. Qu'on a déjà réveillé 2 sur 3. Ça va.
Vous parlez de moi, les copines? N'aie pas peur de moi, désormais, je suis de votre côté. Oui, c'est un peu ça par contre, hein, c'est qu'il y a la force de l'amitié et le pouvoir de l'amitié fait que tout le monde nous rejoint à la fin. Enfin, depuis à chaque fois, tout le monde nous rejoint, hein, vous avez compris le truc. Céleste, une dame. Deux sont réveillés, il n'en reste plus qu'un. Tout se passe comme prévu. Mon plan se déroule sans accroc. Princesse. Vous semblez stressée, princesse. Zaya, arrête, sinon Sephiroth cessera d'exister. Même si Sephiroth tombe en ruine, mon âme sera la même, même si ce monde retourne au néant. Zaya. Zaga ou Zagat? Zaga. Lafarga. Et oui, c'est moi, je suis surpuissant. Je t'ai trouvé. Rends la princesse. Rends l'argent des abonnés. Tuez. Tu ne peux me battre, on verra. Boum, fin. K.O. Je suis prêt à tout abandonner. Tu ne peux gagner contre moi. Allez hop, ça dégage. Lafarga, non. Je ne vais pas te tuer. En revanche, tu battras les Mad Knight pour moi. Oui, maître. Mais bien qu'il se retourne sa veste, hein. Je tuerai les Mad Knight. Non, Lafarga. Peux-tu nous dire où le prochain Maichin? D'abord, vous voulez m'acheter? Quoi? Ouais, vous voulez m'acheter, mais mademoiselle, voyons, nous ne sommes pas ce genre de personnes. Nous, la traite humaine, c'est terminé, vous savez. En gros, ça veut dire, vous devez la payer, on doit la payer. Enfin, que veux-tu dire? C'est ça, voilà. Il faut que je la paye pour qu'elle me donne. En fait, elle part pas le nord, même si elle veut nous aider et qu'elle a bien compris qu'on était les meilleurs amis du monde. On va pas faire ça gratuitement, hein. Elle part pas le nord. 30 000, mais vas-y, je te les donne, je suis tellement riche. Quoique. Ah, j'ai pas le choix. Que je fasse gauche ou droite, je reste. C'est bon de faire des affaires avec vous. Vous payez 30 000. Ça se trouve, j'aurais dit non, elle m'aurait quand même aidé, hein. Et dans le volcan au nord-ouest. Ok, direction le nord-ouest. Et apparemment, elle vient avec moi. Ça, c'est pas mal. Parce qu'elle était quand même assez puissante. Par contre, ce village, il m'embête toujours parce que je peux pas récupérer de vie. Est-ce que j'ai raté un truc? Parce que je vais refaire les maisons, mais il y a bien un truc où je peux récupérer de la vie, c'est possible. Quoi? Non, mais... Je ne voulais point te parler. Je vais juste faire le plein et j'ai brassé combien de thunes? 56 000. Allez, c'est bon, je suis pété de thunes. Je veux juste récupérer ça. Ça, je vais en prendre une bonne vingtaine parce que ça part tellement vite. Et vu que j'aime pas les chiffres qui ne sont pas ronds, voilà. J'ai pris des HP ou des MP, je suis trop bête. Merci. C'est pas grave. C'est bon, j'en ai récupéré un bon paquet. 45, je suis large. Paralysie, mute, il n'y a pas beaucoup de choses, mais c'est suffisant. C'est parti, on se casse. Je peux toujours pas. Il n'y a pas un lit qui traîne quelque part où je pourrais récupérer de la vie? Je sais plus comment, parce que j'ai peut-être tout récupéré. Non. Bon, il me reste plus que le volcan pour récupérer tous les pouvoirs. Je dirais s'il n'y a pas un lit qui traîne quelque part sur lequel je pourrais me poser. Ah, mais je suis trop bête, je peux récupérer. Quand j'en ai envie. Il me suffit de faire ça, mon connard. Et voilà. Qu'est-ce que je suis bête, j'avais complètement oublié. Yes. On avance très 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 bien. Parce que là on va récupérer donc le volcan. Et à l'issue... après dans le volcan, et après on va dans l'affrontement. 31, mais elle est d'accord, en fait elle est nulle. Et ils ont augmenté leur puissance aussi, hein. Faut mourir. Fou. Yes. Les armes montent.
Elle a une arme de quel niveau, fais voir. Armure du moins. Armure niveau 4. Armure 4. Elle a juste une cape et elle est niveau 26. Pourtant elle est à un bon niveau. Armure numéro 4. Et j'ai mon... On a tous armure numéro 4. Arme 3. Je pensais qu'on était toujours à l'armure numéro... Enfin 4 et 2 pour les autres. Enfin pour Icaro 3 et les autres 4. Mais non, c'est vrai qu'elles ont juste obtenu leur pouvoir mais elles peuvent pas encore l'utiliser. Oh, les fleurs désormais. Bah vu je peux récupérer en fait ma magie quand j'en ai envie. Crée une confusion, protège le barrière d'un, fossilise. Ah bah vas-y. Ah d'accord, en fait elle fait que de la confusion mais finalement elle n'attaque pas plus que ça. Il y en a deux qui sont distraits, c'est déjà ça. Mais je sais pas laquelle. J'ai reçu un message. Attendez, ça me perturbe. Bon, elles sont pas très très fortes les plantes. Mais je pensais que Kaldina était beaucoup plus puissante que cela. Finalement, hormis perturber l'adversaire, elle sert à rien. Bon, on a augmenté nos armes, c'est bien. 1736, franchement au départ on tapait à 1 ou 2 là, maintenant on tape des 1000 et quelques. Mais j'ai pas l'impression qu'on peut se monter jusqu'au niveau 100, je pense qu'on peut monter jusqu'au niveau 50. Parce que j'ai quand même pas mal monté mes persos, et je crois que je me suis planté de chemin. Non c'est bon. Et je sais pas jusqu'à où on peut monter, parce que l'histoire, je pense, vu qu'elle est très courte, je pense pas qu'on puisse monter au-delà des 50. Oh, je pense qu'on est dans une nouvelle zone, ça y est. Fossilise, vas-y, est-ce que ça fonctionne? Yes! On va pouvoir la frapper. 3 dans la bouche. Elle est dans la bouche. Et dans la bouche. Parfait. Fossiliser à 1 contre 1, c'est parfait. Allez hop, ça monte, ça monte, ça monte. Nord-ouest, je suppose que ça va être par là. Ça va, on se perd pas trop. Et hop, je suis arrivé au volcan. Bon, il est clair que oui, pour un RPG, c'est moins complet que certains jeux qu'on a pu trouver sur la console. Mais le jeu est simple et il va sur la priorité, le plaisir et le fait de jouer ces personnages qu'on aime dans la série. Pour moi, c'est pas trop un mal, je trouve. Personnellement ça me dérange pas du tout. Ah j'aurais dû les perturber, j'étais bête. Ah bah non, pas la peine. Attends, parce que là je suis revenu à la toute première zone du jeu, ça veut dire. Pour qu'ils soient aussi mauvais. Donc je pense que là je suis au nord et pas au nord-ouest. À la tête des ennemis, je pense que tu peux savoir où est-ce que tu te trouves. Bah non, je suis au volcan. Bon, je sais pas, dans tous les cas ça passe. Ah, des mêmes ennemis qu'on pouvait appeler... C'est quoi déjà son nom? Astico. Bon, vous avez compris là. Si vous avez vu les épisodes précédents, vous devez savoir de quoi je parle. Mirage. Ouh, ils sont tous distraits. Oh la classe. Je me suis trompé de tout, Je me suis trompé, je suis trop nul. Je me tâte à ressortir et récupérer toute ma magie. Et je crois que c'est ce qui va se passer. Parce que j'aurais pu m'arrêter avec Mokona et récupérer la totalité. Oh, un petit niveau de plus, c'est cadeau. Et récupérer toute ma magie. Donc je vais faire ça. Profitons de Mokona pendant qu'on l'a. Et surtout pouvoir sauvegarder. Parce que je vais pas me faire avoir plusieurs fois. À chaque fois, je me perds bêtement mes trucs là. Par contre, on ne sait pas. Ah, mais j'allais dire, on ne connaît pas le nouvel adversaire, mais si. Bien sûr que si, on l'a vu tout à l'heure, je suis bête. Ok, rien d'intéressant. Bien, un niveau de plus, allez, c'est cadeau.
Et je me rends compte d'un truc, c'est que ça fait bientôt 40 minutes de jeu, donc c'est largement suffisant. Donc avant que vous quittiez tout, écoutez le petit message rapidos, comme le fait de s'abonner, de partager un petit pouce bleu, partager la chaîne à tout le monde. Voilà, je compte sur vous, voilà, c'est un truc, je vous fais confiance. Allez, n'oubliez pas ça, c'est pour ça que je vous connais, que dès que je dis c'est fini, je change d'écran, tout le monde, fou, je vois la courbe de visu, de visionnage qui disparaît dès que l'instant où je change d'écran. Je le sais, je vous connais, bien sûr que je vous connais. Allez, je vous fais des bisous, j'espère que ça vous plaît toujours, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Passez une bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, je ne sais pas à quelle heure vous regardez ça, mais en tout cas passez un bon moment. Salut!